Là, le voiturier vient de sortir cette F12 du parking souterrain. Regardez à l'avant, ça lui fait une grosse bouche. Comme ça. Et elle a un kit. Je sais pas c'est quoi ce pare-choc, mais en tout cas, il n'en a pas très pris soin. Regardez, un peu touché là, mais le pire c'est de ce côté. Carbone, c'est bon à être changé. Les jantes, c'est des Ford Giotto. Comme souvent ici aux États-Unis, c'est la mode apparemment, ça marche très bien. Cette écriture sur les pneus, ça fait un peu charger tout ça, je trouve, sur les jantes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais après, j'aime bien la configuration blanc mat satiné comme ça avec la terre rouge. Ici aux piqûres blanches. Et à l'arrière, petit béquet carbone qui passe très bien. Et les pots d'échappement. Je suis pas sûr de connaître la marque de ces pots d'échappement, mais en tout cas ils sont énormes, ils ont une belle tête et ils font surtout un bon bruit. Quand elle est arrivée de la sortie du parking souterrain là-bas, j'ai entendu un bruit, je savais pas du tout c'était quoi. Franchement ça faisait beaucoup de bruit. Puis vous avez un peu pu voir avant qu'il la gare. Liseré. GTC4 Lusso, la familiale de chez Ferrari. La toute dernière Rolls-Royce Phantom. Monstrueuse. Tu vois la grosse calandre. En compagnie de deux Rolls-Royce couleur Nardo Gris, une Ghost et une Race en Black Badge édition. Allez, petite question pour vous aujourd'hui. Vous choisissez entre la nouvelle Rolls-Royce Phantom ou les deux Rolls-là, la Ghost et la Race. Qu'est-ce que vous choisissez du coup, genre là tout de suite vous repartez, vous avez les deux là, une coupée et une berline, ou bien la monstrueuse Phantom. Voilà, qu'est-ce que vous préférez, dites-moi, Phantom ou le combo? Combo Gebrabus et G442, comme ça arrive souvent ici. Ce bruit tout là-bas, la Ferrari F12. Voilà, je suis un peu n'importe comment, mais c'est le bruit qui compte. Bruit de malade. Je sais pas s'il est connu, le gars dedans. Thank you.